voyez cette bande d'amis que vous avez depuis tout petit, avec laquelle vous prévoyez plein de projets, mais qui ne se réalisent pas forcément en étant plus grand? Eh bien, avec cette fameuse bande, on a enfin décidé d'arrêter de procrastiner et de partir tous ensemble en vacances à Santorin. Nous sommes le troisième jour, on s'est levé un peu plus tard que l'heure à laquelle on devait se lever. Hier, on n'a pas eu le temps de faire le site historique parce qu'on a pris trop de temps à chercher une plage. Au final, on est retourné à la même plage qu'avant-hier. Mais c'était quand même super bien parce qu'on a pu escalader et découvrir de nouveaux paysages. On a fait beaucoup de quads et à midi, on est censé rendre les quads. Du coup, ce matin, on va aller essayer de faire le site justement historique et de faire le cœur de Santorin. Donc écoutez, c'est parti! On est rentré de notre matinée qui fut vers la fin assez chaotique. Il y a un de nos potes, donc Axel, qui a perdu son portefeuille. On sait pas trop comment on va se débrouiller. Déjà lui, l'objectif c'est quand même qu'il le retrouve avant qu'on s'en aille, parce qu'il faudrait qu'il rentre en France. Il a tout perdu, sa carte d'identité, ses papiers, tout, pendant la randonnée en fait de ce matin. Ce matin on a eu juste le temps de voir le cœur de Santorin du coup, parce que après on s'est rendu compte qu'il avait perdu ses papiers, donc c'était pas possible. Il a fait le chemin retour mais il a pas retrouvé. Il est parti au commissariat, nous en attendant on est rentré, on a préparé un petit peu à manger. Et cet après-midi on est censé aller faire du catamaran, mais c'est pas encore dit vu qu'on n'a pas de nouvelles d'Axel qui est... parti. Il a pas pu du coup rendre son scooter et donc là on l'attend et on attend de voir si le commissariat ils ont eu quelque chose, quelqu'un qui est venu leur rendre ou quoi. On croise les doigts. La victime est ici. Oh non, j'ai cru que c'était mon repas et là je ce n'est pas ça. Il a fait toute la procédure pour retrouver son portefeuille et bonne nouvelle, il va pouvoir repartir normalement en France, dimanche avec nous parce qu'il a un papier officiel. Oh les gros poissons frère! Il y a des gros poissons là! Ah merde, je suis con, c'est quelqu'un que je connais pas! Ça va Doum? On est le quatrième jour et ce matin on a glandé parce qu'hier le bateau ça nous a crevé. On a mangé un petit gyros à Fira, oui. Et se promener pour acheter des petits souvenirs. Voilà, et j'ai toujours pas perdu mon portefeuille. Voilà. Toujours pas retrouvé, mais on garde espoir, il reste encore 3 jours. Il reste 3 jours, peut-être qu'on va rapporter. Ouais, j'ai fait mon disons que tu vas, mon gars. Ah, là, ça file. Là, je peux refaire sur. D'accord. Non, non, on va manger une. Glace. Allons-y. Let's go. Ah, attends, attends, attends. Oh putain, je vais me péter la gueule. Trois. 2, 1. Les gars, vote à ma levée qui veut aller voir le sud. Allez, on commence. On se retrouve,
on est rentré de Fira, c'était grave cool, vraiment trop trop beau Fira, j'adore. On a pris une petite glace là-bas et on a acheté tous nos petits souvenirs pour notre famille, donc c'était super sympa. Et on est rentré, en plus il faisait assez beau, du coup quand on est rentré, il y en a qui ont fait des siestes et d'autres qui ont fait un jacuzzi. Et ce soir, on va sortir en boîte, donc c'est pour ça qu'on a fait une journée assez chill pour pas être trop fatigué ce soir. Et petit truc cool aujourd'hui aussi qu'on a fait, c'est qu'on a pris rendez-vous, certains en fait, ont pris rendez-vous pour se faire tatouer demain, donc j'ai trop trop hâte. C'est mon PH. Oh, je regarde avec eux. Ça oh, fait. Oh, Marvin, c'est un rugbyman avec eux. Il va lui décrocher la tête. Mais il y a un groupisme. Non, il mange un croc, les gars. Faites pas les mains. Oh, ça me donne. Oh là là. Ça doit être tout froid. Déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a gagné aussi longtemps en fait. Oh là là, attention. Il a hésité d'acheter tout à l'heure. Ah non, mais non, fermez. Ah, mais non, mec, il y a une mouche dedans, frère. On a fini de faire des petits jeux d'alcool et là on va partir en boîte à Fira. On a vu une boîte assez sympa, c'est notre hôte qui nous l'a conseillé. Donc bah écoutez, c'est parti. Nous sommes le cinquième jour et aujourd'hui on va aller visiter des petits villages. On va relouer les quads parce qu'au final c'était assez pratique. On s'est levé assez tard parce que du coup hier on était en boîte. Et ce soir on va remettre ça sûrement parce que bah c'est notre dernière soirée donc... On va finir en beauté. Sans oublier que à 20h on a rendez-vous avec du coup Paolo, Deb et moi pour aller se faire tatouer. Donc bah écoutez, c'est parti. Allez. Allez, parti. C'est parti. Alors on te voit hein. Bonsoir. C'est quoi ce soir dans la non. cam là? C'est Axel. On est. Attends, je sais plus. On était à Pierre-Gauss tout à l'heure et maintenant. Là on est à Arguiros, exploitation viticole. Voilà, exactement. Bon bah merci Dave. Bah, écoutez, ah, bah, merci, merci à vous. Il est mignon comme tout. Putain, c'est de la bonne. Marvin, tu es tout bête. Il est actuellement 17h et on n'a pas encore mangé notre plat du midi. On est un petit peu tous pompette parce que bah on a fait la dégustation de vin et on était un peu à jeun donc on part pour manger. Tiens, c'est cool, lui a niqué mes plans là. Putain. Putain, il est relou. Il... Gros touriste là. Trop chiant, ouais. Il est 19h30 et on est en route pour aller se faire tatouer. On a eu quelqu'un qui a abandonné en cours de route, Paolo. Il a finalement décidé de pas le faire parce qu'il trouvait que c'était un petit peu trop cher. Mais du coup, bah voilà, on y go, on va se faire tatouer, j'ai trop peur. On est revenu du tatoueur, on est trop trop contente de nos résultats. Et là on s'est préparé pour la dernière soirée. On est tous assez tristes, assez nostalgiques, mais du coup tous chauds pour faire la teuf. Donc ce soir on sort en boîte. Puis bah écoutez, c'est parti. Nous sommes le dernier jour, on est un petit peu tristes. Hier on est sortis en boîte, aujourd'hui
on va peut-être enfin pouvoir faire le site historique. On voulait le faire les premiers jours, on a voulu le refaire hier mais c'était fermé, donc on va essayer de le refaire aujourd'hui, sachant que pour l'instant on a les quads que jusqu'à 14h. On va essayer de négocier pour les avoir un peu plus longtemps, et on doit être à l'aéroport vers environ minuit puisque nous prenons notre avion à 2-3h et on arrive à 6h en France. Et ça me fait penser, mais je vous ai même pas montré mon tatouage hier. J'ai fait du coup juste ici. Là, c'est le signe d'Hermès, donc le dieu de la santé. Et je vais vous montrer celui que ma copine Deb a fait. Waouh! Conclusion, on a très bien mangé dans ce restaurant. Oui, on a tous très bien mangé. Ouais. C'est régalé. Je sais plus trop depuis combien de temps j'ai pas pris la caméra, mais on a quitté la villa ce matin, on devait la rendre à 11h. Ensuite on allait faire quelques petits villages, c'est trop sympa, et on a réussi à faire le site historique. Ça faisait une semaine qu'on procrastinait à vouloir le faire, à chaque fois c'était pas le bon moment. Après on a fait quelques petits villages, il y avait un village trop beau avec une plage noire, c'était hyper sympa, on a fait une petite sieste là-bas, on s'est promené. On n'avait pas grand chose à faire vu qu'on avait fait le principal les premiers jours. Et on est actuellement en route, juste ici, pour aller manger un gros gyros avant l'avion, en espérant ne pas le revomir. Ah bon, j'y repars. J'y repars. Il est actuellement 23h45, on est à l'aéroport. On était censé avoir un vol à 3h25 et il a été décalé. Donc maintenant on embarque seulement à 4h50. Donc on est parti pour faire une bonne sieste. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé en temps et en heure de la sortie de la prochaine vidéo.